général, quand on recherche un bateau, on voudrait qu'il soit beau, confortable, bien fait et si possible, qu'il ne coûte pas trop cher. Rainier International vient juste de lancer ce nouveau modèle, le Next 290 SH. Et nous voici à Soverato, en Calabre, pour le tester. Mais possède-t-il toutes les qualités que je viens de mentionner? À première vue, je dirais que oui, et certaines caractéristiques indiquent que le chantier a beaucoup réfléchi aux besoins du plaisancier pour lui permettre une utilisation facile et agréable de ce bateau, et aussi pour lui faire économiser de l'argent. Par exemple, ils ont monté un seul moteur puissant qui coûte moins cher, a une résistance hydrodynamique inférieure, ce qui signifie une meilleure performance, une consommation plus basse et une réduction de moitié des coûts de maintenance. Alors, pourquoi ne pas toujours préférer un seul hors-bord? Parce qu'avec une seule hélice, la coque fait une embardée, c'est-à-dire qu'elle est inclinée d'un côté. Et puis, il y a la diversité dans les virages à bâbord et à tribord, et il y a des problèmes de manœuvre. Mais ce hors-bord a deux hélices contrarotatives qui équilibrent leur action et les réactions sur la coque. Regardons tout de suite comment on le manœuvre. Il tourne pratiquement sur lui-même, comme si nous avions une double motorisation. On dirait qu'il y a un joystick, mais en fait, il n'y a qu'un seul moteur et un gouvernail. Mais revenons au bateau. 290 signifie 29 pieds, 9 mètres et 20 cm, et SH signifie Shadow, la ligne à laquelle il appartient. L'œuvre vive a été appelée Hull Innovative System Generation Second pour souligner le développement de projets antérieurs. Il possède un step transversal pour améliorer les performances et la consommation, et puis une ébauche de step qui, à vrai dire, j'ignore le pourquoi de son existence. Les hautes parois sont une autre qualité importante de la coque, et à l'avant, il est évident que la géométrie de l'œuvre morte et de l'œuvre vive sont en parfaite harmonie. L'on pourrait bien croire que ce bain de soleil sombre sous ces rayons de soleil est un barbecue. Il est vrai que la température de l'air en ce moment est de 27 degrés et celle sur le matelas de 41 degrés. Eh bien, choisissez vous-même si vous préféreriez y installer une serviette éventuellement mouillée ou changer la couleur du revêtement. Ce garde-corps élevé est d'une grande sécurité et cette delphinière élancée vous permet de sauter sur le pont ou de plonger sans aucun effort. Ceci ressemble fort à une valise, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est une banquette et le mécanisme permettant son mouvement est particulièrement soigné. Écoutez ça. Ce que j'aime personnellement, ce sont ces petits cochons pour masques et palmes. Et là, un autovideur. Tout est réalisé presque entièrement sur le chantier, comme ces fauteuils élaborés et ergonomiques. Sur le côté avant du roof, un coussin servant deux dossiers et deux enceintes y sont encastrées. Des coutures claires sur fond brode noix, sportives et luxueuses. La dinette peut accueillir jusqu'à 5 personnes. La cuisine est assez spacieuse par rapport à la taille du bateau. L'arceau de sécurité soutient un double bimini qui abrite aussi bien la partie arrière que la zone de pilotage. Sous le pont, la cabine a des finitions en chêne clair et de beau tissu. La dinette est un abri utile en cas de mauvais temps et elle est équipée de hublots, éclairage à LED, prise USB, placard, plusieurs vide-poches et un pied de table télescopique transformant le petit salon en un lit double. Il y a même une deuxième couchette avec une bonne hauteur au-dessus du lit. La salle de bain est munie d'une douche. Thank you.
Cette musique me fait comprendre que le moment est venu de l'essayer. Ce moteur a une cylindrée de 4390 cm3, 6 cylindres disposés en V avec un angle entre les bancs de 55 degrés. L'architecture comprend 4 soupapes par cylindre, un double arbre à cames en tête et surtout un variateur de phase. Le hors-bord a été installé sur le troisième trou du trépied, assez élevé. C'est une assiette sportive et ils ont monté une hélice. Non, deux hélices de 19 pouces et demi. Et maintenant, voyons voir comment se comporte le Next 290 SH de Ranieri International. J'ai ajouté les flaps pour abaisser un peu le nez du bateau et entrer en mode planage plus facilement. Mais peut-être ne sont-ils pas nécessaires. Je les enlève. En effet, la coque se positionne dans l'assiette à seulement 13 nœuds à 3500 tours moteur sans jamais avoir l'intention de cabrer. Le poste de pilotage est vraiment confortable grâce à ces sièges qui ont également un coussin ergonomique. Mais surtout la position du gouvernail de direction, des instruments. Ici, on peut également mettre un joli traceur de 12 pouces et demi. Les instruments Suzuki se lisent clairement. Ici, j'ai la radio, bien sûr, ça n'a aucun rapport, la boussole dans l'axe et cette manette joystick qui me permet d'ajuster l'équilibre de la coque, le dérapage latéral et l'assiette longitudinale. En fait, si je veux abaisser la proue, je fais ceci. C'est indiqué, c'est très intuitif. Si je veux l'élever, je fais comme cela. Si je veux corriger l'inclinaison latérale de ce côté-ci ou de ce côté-là, il me suffit de déplacer le joystick, c'est très facile. Entre-temps, nous avons atteint une vitesse de 15 nœuds, donc une faible allure de croisière. Allons un peu plus vite. À 4200 tours minute, la coque est bien étendue sur l'eau. On navigue à 22 nœuds de vitesse. C'est un plaisir de conduire à cette vitesse. Le pare-brise, comme je l'avais envisagé, n'abrite pas beaucoup. Le vent commence à souffler, mais l'été, c'est agréable. Et puis, si vous n'avez aucun écran devant vous, la visibilité est meilleure. N'ayez pas peur d'utiliser le trim, nécessaire sur ce bateau. Relevez-le, vous sentirez ainsi que la coque file mieux, les steps fonctionnent comme il faut. Et puis, étant donné que la construction est assez élevée pour avoir autant d'espace dans la cabine, il est également important d'utiliser les flaps. Par exemple, là, nous ressentons un peu de vent latéral, puis nous les ajustons légèrement, nous les redressons. Il suffit tout juste de les toucher. Il ne faut pas agir en insistant trop. Et maintenant qu'il est bien planté à la surface de l'eau, on met les gaz. Le bateau soulève d'importantes gerbes d'écume à l'avant, mais les éclaboussures n'atteignent pas le pont, même pas à l'arrière. Nous sommes à 5300 tours minute et la vitesse est de 31 nœuds. Nous pouvons faire beaucoup plus et maintenant nous le faisons, on baisse la manette. La poussée de ces doubles hélices contrarotatives se fait sentir. La coque gagne en vitesse. Attention, 36 nœuds!
Ceci est la vitesse la plus élevée, 5900 tours minute, 37 nœuds et la consommation avec la manette entièrement ouverte de ce 350 chevaux de Suzuki est d'environ 108 litres par heure. Ouh, 38 nœuds, 39 nœuds. Même à une vitesse aussi élevée, vous voyez à quel point ce bateau est stable, combien il tient la route. J'ai pourtant bien le trim relevé. À cette vitesse, le virage est un peu difficile, hein ? J'avais été agréablement surpris par le test du navire de plaisance de Ranier International, le Next 370SH, et je dois dire que celui-ci, son frère cadet, le 290SH, m'a également surpris de la même manière, mais positivement.